l'adoration, oui, le facilitateur nous a demandé pour la sérénité du dialogue, il faut que nous acceptions de suspendre provisoirement les manifestations. Nous avons accepté que oui, pour la période du dialogue, nous allons véritablement suspendre les... C'est ce que nous faisons, nous respectons. Mais il y a un certain nombre de choses que nous allons peut-être à l'avenir vous faire savoir quelles sont les limites justement de ce qu'on qualifie de manifestation. Ça, on aura le temps de revenir là-dessus. Je ne vais pas dévoiler un certain nombre de choses ici, mais vous le saurez après. Mais nous estimons que dès qu'on sentira que le blocage va se faire sentir, parce que nous ne voulons pas non plus que sous le biais de ce dialogue-là, on puisse mettre un terme aux manifestations. C'est-à-dire que si le dialogue se prolonge, on nous fait reculer indéfiniment, parce que le pouvoir veut gagner du temps, alors que nous avons suspendu nous les manifestations, ça risque à terme de se retourner contre nous. Alors c'est pour ça que je suis d'accord avec la question qui a été posée tout à l'heure, jusqu'à quand on constatera que cette affaire ne peut plus avancer. Parce qu'on ne peut pas nous dire oui, mais dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois, continuer à suspendre alors que le dialogue continue. Non. Il arrivera un moment où on posera fermement et on fera les déductions pour savoir si on peut avancer, on ne peut pas avancer. Et dans ce cas-là, ce que nous faisons, on décidera en tant qu'utile, en tant que responsable que nous sommes. Et c'est nous qui avons demandé, puisqu'ils nous demandent de suspendre les manifestations provisoirement, nous avons dit, mais eux, ils continuent de préparer les élections. Alors, là, ils n'ont pas voulu entendre raison. Mais ce débat-là, je vous assure que ce n'est pas nous qui l'avons fait avec eux, c'est le facilitateur qui a fait le débat avec eux. Parce que ça a duré plus d'une heure, où face à face, le facilitateur leur faisait comprendre que les élections que vous préparez, le cadre électoral, la CENI, tout ça là, fait partie des réformes qu'il faut faire, puisque nous contestons tout ça. Si vous continuez à avancer, puisque entre temps ils nous ont dit oui, ben on nous a réservé des places à la CENI, l'essentiel est que bon, nous on revient occuper nos places, et ils disent, mais même la composition de la CENI est contestée et pas l'opposition. Alors comment voulez-vous continuer à préparer les élections alors que toutes ces choses-là sont contestées? Alors je crois que c'est difficilement que le facilitateur a réussi à arranger ça, mais ils sont affectés de suspendre eux aussi. Et nous disons, nous avons averti que toutes les fois que nous verrons qu'ils ont enfreint à cette règle-là, ça nous donne le droit de sortir justement de notre réunion de manifester. Merci.